Je peux lui poser une question. Vas-y. En fait, il y a un truc. Là, on a passé tout ce temps à Arafat. Il a vécu, il est décédé, il y a eu beaucoup de choses. On a célébré Arafat et tout. On n'a jamais entendu parler de toi. Et aujourd'hui, tu sors un single. Mmh. C'est quoi le titre de ton single déjà? C'est « Né pour briller ».« Né pour briller », qu'on a écouté ici avant-hier. Avant-hier. Okay. Tu sors un single et tu, dans la foulée, tu parles de cette relation avec Didier Arafat. Alors que tout le monde sait que... Sachant que tout ce qui touche à Arafat... Voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui, si tu t'élèves aujourd'hui, tu parles d'Arafat dans un projet. Même si tu veux construire une maison, que tu dis Arafat, ça va faire du buzz. Tu vas avoir des locataires, tu vas avoir des clients, ok? C'est pas un peu trop, ça ressemble à de l'opportunisme. Moi, je dis sincèrement, c'est de l'opportunisme. C'est un peu tiré par les cheveux, même parce que si tu dis que... C'est un peu, on te juge pas, hein. On veut juste comprendre, vraiment, on veut juste comprendre comment tu es passé inaperçu, comment tu es resté dans l'anonymat pendant tout ce temps, parce que tu es une femme, t'as pas un cœur en bois. Et depuis déjà la naissance de l'enfant, tu n'arrives pas à t'occuper de l'enfant. Je dis, le père a son rôle à jouer. Oui. Même si surtout qu'il a reconnu, c'est légal, c'est légitime. Il doit forcément t'apporter son aide, toute sa famille aussi doit être au courant. Bon, tu as parlé de ça, c'est un fait. Tu as parlé de dot. Bon, à quel moment il t'a doté? Quand? La question, c'est quoi exactement? C'est quand il t'a doté? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Vous avez parlé de deux faits, c'est-à-dire... Pourquoi c'est aujourd'hui que j'expose ce problème? Et quand il m'a doté, je reviens à vos questions. Comme je disais là, Didier, c'est quelqu'un... Tu vas nous rappeler encore qui c'était Didier? Oui, mais c'est Didier, oui. On moi, le connaît. Mon... À quel non, moment non, il t'a doté, Angela? C'est pas moi, c'est ma vie que moi j'ai vécue. D'accord. C'est comment je viens. Lui. Voilà, c'est ma vie privée. Tu connais après pas aussi, parce que si tu prends du temps pour expliquer une seule question. On mais peut raison prendre... pour laquelle vous m'avez invité. Justement, donc voilà, quand on te pose. C'est des questions simples. Voilà. À quel moment il t'a doté? Non, vous avez parlé de deux fêtes. Oui, d'accord, oui. Bon, vas-y. D'accord, ok. De deux fêtes. Pourquoi c'est maintenant que j'expose ce problème? Okay. Je vous ai dit que moi, je suis une femme, je ne compte pas sur quelqu'un pour vivre. Ok? D'accord. Je ne compte pas sur quelqu'un pour vivre. D'accord. Pourquoi j'ai exposé ce problème? Parce que l'enfant demande qui est son papa. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi parce que je me dis, comment je vais faire? Parce que l'enfant parle maintenant. En ce moment, l'enfant ne parlait pas. J'ai cru tout gérer, en fait. Mais maintenant, l'enfant parle. Maman... Le papa de ma camarade ou même le papa de mon ami est venu la chercher. Maman et mon papa. Raison pour laquelle je me suis retournée vers vous, ses amis, pour vous dire qu'il y a Didier qui a eu un enfant avec moi. D'accord. OK? Maintenant, concernant la dot, le mardi, quand je suis quittée ici, c'est de là que je devais commencer, en fait, parce que tellement je respecte la personne. J'ai eu un appel, franchement, que je vais taire le nom. Vous tous vous connaissez, si vous devinez tout et tout, vous allez connaître la personne. La personne, c'est quelqu'un qui respecte vraiment Didier. La personne m'a appelé et m'a dit, Angela, on va gérer en famille. C'est pas que je cherche... On va gérer quoi en famille? On va gérer la situation en famille parce que... Quelle situation? La situation qui se passe. J'ai eu un enfant avec Didier, ça se passe sur tous les réseaux sociaux, voilà. D'accord, gérer en famille. Okay. Gérer en famille, la personne m'a appelé. Mm-hmm. Angela, on va gérer la situation en famille, s'il te plaît. Quand tu pars, pars parce que tu respectes la chaîne NCI, pas parce que tu respectes Moulukoukou, tu respectes Ozone, tu respectes tous les membres de la chaîne NCI. Est-ce que je peux poser des questions? À quel moment il t'a douté? C'est de ça que je suis en train de parler. D'accord, ok. À quel moment? C'est ce que je suis en train de parler. J'ai dit que, en fait, la personne, ok? La personne m'a appelé. Quelle personne? Je ne peux pas, je vais taire le nom. Non, parce que je vais rentrer. Non, c'est simple. Parce que tu n'as pas compris. Mais tu n'as pas compris ma question. Je dis, à quel moment et où il t'a doté? Je suis en train de te parler. Oui, je t'écoute. Je suis en train de te parler. Voilà, non, laisse-moi aller au bout de mes idées. Je suis en train de dire que j'ai eu un appel anonymat. D'accord. Je sais pas si c'est un appel anonyme. Anonyme, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Et l'appel anonyme, c'était qui? C'était celui qui devait célébrer la dot? Non, la dot pourquoi est bien, forcément c'est lui qui allait célébrer, non? Oui, mais pourquoi non. Forcément c'est lui qui allait célébrer la dot? Ça n'a rien à voir. Non. On se comprend pas. Moi, j'ai juste demandé. Tu m'as demandé, moi, je suis en train de te répondre. Oui. J'ai reçu un appel anonyme. Oui.
La personne m'a appelé, c'est quelqu'un qui respecte vraiment Didier. Moi aussi, je le respecte. Ah, la personne t'a appelé pour dire de ne pas dire, de ne rien dire dessus. De laisser. Et je vous dis que si je suis rentrée dans ce genre de débat, tout et tout, c'est parce que je vous respecte. Je respecte la chaîne. Raison pour laquelle je suis devant vous. Mais merci déjà pour le respect. Merci pour le respect. Voilà. Merci maintenant, pour le respect. Voilà. Là, il t'a doté. Il m'a doté, je le dis. Hey Seigneur, j'ai pas envie de décevoir la personne parce que non c'est j'ai... non mais ça il y a même pas de non pas non 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 pas de mais non mais si je vais rentrer dans les détails non si je vais rentrer dans les détails aux zones j'arrive j'ai été dotée. Angela écoute moi Angela écoute moi Angela écoute moi écoute moi si tu as accepté de c'était pas c'est vraiment pas par rapport à notre respect ça n'a rien à voir tu es venu parce que tu es venu parce que tu prends tes responsabilités. Parce que je vous respecte. J'arrive. Ok, j'accepte. J'accepte. Je prends mes responsabilités parce que je respecte la chaîne. Mais si tu es sur un plateau, parce que tu sais très bien de quoi on allait parler. Donc, je veux dire que c'est de ton propre chef. Je pouvais vous appeler pour vous dire, écoutez, je vous respecte bien, mais je ne viens pas. Bon, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai des problèmes à gérer tout. D'accord. À part ça, je n'ai pas ce que ça a fait. Ok. Voilà. Là, c'était quand la dot? Je ne vais pas vous dire parce que je respecte en fait la personne. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais à quel parent quel... Je vous ai déjà donné. Ok, j'ai compris. Quand est-ce que mon enfant est né? D'accord. Quand est-ce que j'ai croisé Didier? Angela, quel parent était là ce jour-là? Parce que c'est que la dot en Afrique. Je n'ai pas rentré. Quel parent était là? Quel parent était là? Parce que dot là. Vous tous, vous connaissez Didier. Je vous dis un peu. Vous tous, si vous regardez, c'est-à-dire vous tous qui êtes auprès de Didier là, vous le connaissez. C'est pas dans Angela, ma bouche, vous allez manger votre piment. Qui était là ce jour pendant qu'on te dotait? Je ne vais pas vous dire parce que je respecte la personne qui m'a dit, Angela, on règle en famille. Le reste, ça n'a rien à voir. Ah non, attends, Moulou, moi j'ai un truc que je ne comprends pas. Tu dis, si tu as réussi à dire le jour où Arafat et toi vous êtes rencontrés, tu as réussi à dire comment vous êtes connu, connu tout ça. Comment est-ce que l'enfant comment est né? Comment tu t'occupes ton enfant? Cette date de dot, là, tu peux pas dire. La date seulement. Après la dot, il y a beaucoup de choses. Non, on ne veut pas beaucoup de choses. Non, mais moi, je ne vais pas vous dire parce que je respecte la personne. Je vous dis que tout ce que j'ai dit là, en fait, avant de commencer... Bon, allez, on va marquer une pause. J'allais vous dire. Angela, on va marquer une pause.